Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Bon lundi 18, je dirais. Oui. Lundi 18 novembre. On est sorti parce que je suis pas sortie moi depuis mercredi à cause de mon lavabo là. Alors samedi. Samedi, je suis passée par une téléconsultation avec un médecin parce que j'avais mal au dos, j'en pouvais plus. Je pouvais plus, dès que je me levais, il fallait que je prenne appui sur mes cuisses pour pouvoir me redresser. Enfin, on a dit une petite vieille de 90 balais. Bref, donc, par contre, un truc qui est super, moi je ne le savais pas, je vous le dis, parce que moi c'est Chérie qui me l'a dit. Avec votre mutuelle, vous pouvez bénéficier de téléconsultations, enfin avec la nôtre, maintenant tout le monde, je ne sais pas, mais de téléconsultations gratuites. Parce qu'au début, moi ne sachant pas, j'ai voulu passer par CARE, Q-A-R-E. Déjà, il fallait attendre 2-3 heures avant d'avoir un rendez-vous. Et il fallait payer 65 euros. J'ai dit, non, là, on se moque de qui pour avoir une ordonnance d'anti-inflammatoire non, après, on se demande pourquoi la Sécu, elle est en déficit. Pas besoin de chercher bien loin. Hein. Donc, du coup, j'ai dit non, ça attendra lundi que je prenne rendez-vous avec mon médecin, quoi. Et Chérie m'a dit, mais essaye avec la mutuelle, il me semble qu'ils font des téléconsultations. Et donc j'ai essayé avec ma mutuelle. J'ai attendu 2 minutes avant d'avoir un médecin en ligne. Donc je lui ai expliqué mon cas, que j'avais des douleurs aiguës, etc. Donc elle m'a prescrit des anti-inflammatoires et des antidouleurs qui me stonent, mais un truc de malade. Je prends ça, je fais pourquoi la drogue? Franchement, c'est limite, je vois les éléphants roses, quoi. Bref, toujours est-il que ça va mieux. Il n'y a que hier où j'ai fait du montage de ma vidéo Chine et je suis restée trop longtemps assise sur une chaise en bois. J'ai eu mal au dos, j'ai dit stop, j'arrête les bêtises. Mais bref, sinon là, ce matin, ça va mieux. Donc j'ai dit, allez, moi je prends l'air, je sors. Donc là, on est parti pour aller chez Normal parce que Chérie veut se racheter du parfum. La dernière fois, on y en avait pris et il a bien aimé. Donc là, nous voilà partis. Et après, ce qu'on va faire, on va aller à Chambly. Mm-hmm. T'en as eu, Maria ? Ouais. Ah, l'autre, il est grimpé sur la pelouse, carrément. Après, on va aller à Chambly parce qu'on voudrait, on voudrait aller chez Nose. Il se barre, regarde. Ouais, mais il y a peut-être quelqu'un qui attend. Bah non. Bref, on est arrivé chez Normal, on va aller voir son. Si on trouve notre bonheur. Si on trouve ton bonheur, on va faire un tour, hein. Tous les coups, on va trouver autre chose. Hein. Et je vous reprendrai après. Donc, j'ai passé ma consultation, je vous dis, j'ai à peine attendu 2 minutes qu'il y avait déjà un médecin en ligne. Et quand on a eu terminé, elle m'a envoyé mon ordonnance par mail. Et c'est marqué, vous ne serez pas débité. Comment c'était marqué? Que c'était tout marqué. Était pris en charge, ouais. La consultation, elle était prise en charge par le mutuel. J'ai économisé 65 euros. Donc je vais pouvoir aller me lâcher. Oui, ça, je te fais confiance. Je vais pouvoir aller me lâcher. Bon, allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure si Chérie a retrouvé mon parfum. Son parfum. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
sort de chez Normal. Et là, on faisait un tour parce que dans la zone d'activité, il y a des restaurants, mais c'est blindé de monde, on ne peut même pas se garer, donc on s'en va. Donc chez Normal, chérie a trouvé son parfum. Oui. Mais ça, grâce à qui? À ma femme. Parce que lui, il passe dans les rayons, c'est une flèche. Et il voulait trouver le parfum qu'il avait trouvé la dernière fois, c'était la Rive, je sais pas de quelle marque, enfin, bref. Et là, il n'y avait plus que le testeur. Le rayon était vide, il y en avait d'autres. Et je lui dis, prends un autre, change, peut-être que l'autre est bien aussi. Donc on en a testé deux, et puis il y en avait un qui... Enfin, les deux sont bons, pas exagéré. Et en repassant, qu'est-ce que je vois? Un coffret cadeau là avec le parfum qu'il voulait, plus un déo, je crois, ou un déo. Oui, oui. Et du coup, ça lui fait deux parfums. Moi, quoi, si tu me diras, c'est pas mal joué. Oui. Faire genre, et finalement, il en a deux pour le prix d'un. Bon, enfin, bref, comme ça, il est content, il a deux parfums, un qu'il connaît, un qu'il connaît pas. Moi, j'ai été raisonnable, sincèrement, j'ai rien acheté de. Non, si, une paire de chaussettes. Voilà. Une paire de chaussettes avec un renne. Un renne pour Noël. Et puis, du coup, on n'ira pas manger là. Pourtant, il y avait au bureau, la criée, c'est un peu plus cher. Donc, du coup, on va partir à Chambly, puis on va aller à notre pizzeria qu'on a l'habitude quand on va à Chambly. Oui. Enfin, qu'on a l'habitude, on a dû aller trois fois. Mais c'est la pizzeria où on va, qui est juste à côté du Action de Chambly. C'est très sympa, on mange très bien. Et on mange très bien. Bah, ça, c'est dommage parce que monsieur, hier... Bah, il a fait une pizza hier soir. C'est un âne. Mais il y avait le foot. Et le foot, c'est synonyme pizza le soir. Et franchement, j'en ai une moitié qui dort au frigo. C'est pas grave, tu vas manger pizza hier soir, pizza ce midi, et tu finiras ta moitié de pizza ce soir. Oh, moi, j'en ai pas pris un pizza hier. J'ai dit non, fini des pâtes. J'avais un restant de pâtes au Roquefort, j'ai fini. Je t'en ai remis au frais. Ouais, enfin, j'ai fini. Non, il m'en reste encore. J'avais fait la dose. Enfin bref, là, nous voilà repartis comme en 14. On va aller manger. Et en plus, j'ai faim parce que j'ai l'impression que les. Alors, je ne sais pas si c'est les anti-douleurs ou les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires qui te gardent. Ça me fait des crampes à l'estomac. Quand moi, je ne mange pas le matin. Et normalement, il faut les prendre en mangeant, mais comme je ne déjeune pas. Et là, je sens que ça me... Soit tortor. Bref, on va aller... Il y a du monde sur la route, je trouve. Il y a du monde, oui. Il est midi 54, je ne sais même pas dire l'heure, on est parti de la maison, il était midi quand on est parti. Il était midi? Donc, t'as rien d'autre à dire? Non. On verra ce soir. Moi, ce que je voulais vous dire, ça me revient. Je suis complètement à l'ouest, moi, avec les médicaments, là, ça me tourne la tête. Oui, je voulais vous remercier. Donc, j'ai lu tous les messages sous la vidéo d'hier. J'ai peut-être arrêté le siège chauffant, là. Ouais, c'est bon. J'ai lu tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du weekly d'hier. Donc, déjà, je voulais vous remercier. Vous me demandez pour la plupart si ça va mieux. Oui, ça va mieux. Je ne suis pas à 100% au top de ma forme, mais ça va mieux. Il y a du mieux. J'ai 5 jours d'anti-inflammatoire, donc ça fait que 2 jours que je les prends. Ça devrait aller de mieux en mieux. Et j'ai regardé ce matin, on va bientôt faire le concours des 15 000. On est à 14 900. Comment je t'ai dit? On est bientôt aux 15 000. Vous savez que je vais vous faire gagner un aspirateur robot, là, un rond. Un aspirateur laveur rond. Il est toujours dans le sous-sol en train d'attendre. Donc, je vais vous faire gagner. Et donc, bientôt les 15 000. Donc, abonnez-vous, là, tous ceux qui regardent les vidéos et qui ont la flemme d'appuyer sur le bouton, abonnez-vous. Et faites-le.
Faites-le, c'est le moment là, dans 60, encore 70, et c'est bon, on pourra faire le. Et ce serait sympa, n'empêche, de le faire au moment des fêtes. Faire gagner un aspirateur, c'est un beau cadeau de Noël, ça, non? Je pense que c'est un beau cadeau. Bref, vous avez compris, abonnez-vous, on touche presque au but. Allez, je vous laisse et puis on se reparle plus tard. Merci. Nous voilà de retour à la maison. Café de bienvenue. Il est 3h25. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Donc on a fait des petites emplettes, mais pas trop, parce que sincèrement, chez Action, on a... On n'avait besoin de rien. Enfin, on y allait, c'est pour les chaussettes pour toi. Oui. Et... En bambou. Des chaussettes en bambou. Et puis après, on est allé à l'incroyable. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Honnêtement. On retournera celui qu'on va d'habitude. Non, c'est pas ça, c'est centre à corps, je confonds. Bref, on va quand même vous montrer ce qu'on a pris. Donc, d'abord chez Normal. Parce qu'on s'est quitté là. Donc, c'est celui-là, hein, que t'aimes bien, toi. Oui. Oui. C'est celui qu'il avait acheté la dernière fois et qui. T'en as plus, c'est ça? J'en ai plus beaucoup. Plus beaucoup. Donc, vous voyez, là, je l'ai trouvé avec le coffret. Donc, c'est de l'eau de toilette, 75, et un déodorant de 150. Donc, je sais pas, toi, ce que tu avais, c'était pas une eau de toilette? Non, c'était de l'eau de parfum. C'était de l'eau de parfum. On va regarder si c'est la même bouteille. Est-ce que l'autre, elle est ronde? Celle-là doit être ronde. Hein. Écoute, tiens, je te laisse ouvrir. Du coup, il s'était pris celle-là parce que c'est pareil, c'est la Rive. Mais là, c'est pas extrême, c'est Prestige. Elle sentait bon aussi. Tu vois, elle paraît plus petite que celle que tu as, oui, non? Oui, oui. Fais voir à la caméra. Voilà. C'est ça, ouais, je m'en rappelle maintenant. Parce que tu avais une bouteille comme ça de parfum. Oui. C'était quoi? C'était ça. C'est pas égoïste qui est de cette forme-là ou... Enfin bref, il s'est pris ça. Donc on a trouvé l'eau de toilette en petit, toujours de la même. Là, oui. L'Extreme Story. Tiens, comme ça, ça t'en fait deux. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, on a pris pour la douche. Crème de douche extra douce, coton et coquelicot. Ah, si. Bon. Ah si, ça sent bon. Oh, c'est un bébé parfum. Ah oui, ça sent bon. Si, ça sent bon. Tout ça, c'est chez Normal. Je vous ai fait quelques captures de chez Normal. Ensuite, bon, ma petite paire de chaussettes reine. Elle est mignonne comme tout. C'est 2 euros ça. Et un pot de mayonnaise à la truffe. Trop bonne celle-là. Voilà, là c'est tout. On a eu pour une trentaine d'euros, je crois. Ouais. 29,90 exactement. Et chez Action. Chez Action. Donc. Les chaussettes à pépère. Les trois paires. Elle est belle la bouteille. Oh, pourquoi il est qui ces chaussettes-là? C'est vrai qu'elles sont douces. Ah, c'est doux. Elles sont super douces. Regardez, ça c'est le deuxième flacon. Et ça c'est... Et c'est le Reef Prestige. Et celui-là c'est quoi? C'est Extrême. Ah oui, fais voir les deux côte à côte. On voit la différence. Bah, voyez... Et c'est ressemblant, hein. C'est ressemblant, mais c'est pas le même parfum. Bon, chaussettes. Et voilà. Bon, je peux vous en faire pendant 3 heures du parfum. Mais sincèrement, c'est de la bonne qualité. C'est bien. Et pour 10 balles? Et pour, c'est 10, ça, hein. Et pour 10 balles. La Rive Extreme Story.
9,40. Voilà. Celui-là. 9,40 celui-ci. Les chaussettes de 20. L'arrive Prestige. Donc ça doit être le coffret, je pense. Oui. C'est 10,20. La mayonnaise, c'est 2,40. L'arrive, le petit bout. C'est trop mignon. Pour mettre dans ton sac à main. Ben, oui. Pour mettre dans le sac à main. Oh. 3,90. Et le petit Marseillais gel douche 1,80. Voilà. Donc chez Action, on a dit chaussettes. On a dit allume bougie parce que on se brûle, j'ai, sinon. Plein bougie. J'ai plein de fondant de, un instant, plus de bougie. Plus de gaz. Plus de gaz. Donc on est tout petit en dépannage, mais on se brûlait les doigts pour aller les allumer. Donc là on a pris un avec un long bec. J'ai trouvé, et ça fait un moment que je le cherchais celui-ci, le blush crème chez Action. Là j'en ai, parce que la dernière fois j'en avais acheté 3. Mais en forme de gel, les 3 que j'ai pris. Et puis on a. Ah, mais t'as pris qu'un petit paquet pour Minoucha. Ah, bah, je oui, pensais que c'était un gros. Bah oui, mais c'est un gros ou deux petits. Ah, s'il n'est pas content, je te l'envoie. Hein. Oui, pas de problème. Et un petit paquet pour Minoucha. Voilà. Donc là, café et repos. Et il me fatigue ce traitement là. Il faut dire que j'ai tellement d'heures de sommeil en retard. Il n'est pas chargé déjà quand tu l'achètes ? Pas assez. N'importe quoi. Voilà. Allez, range-moi toutes tes bouteilles de parfum. Allez, je vous laisse et puis on se reprend plus tard. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est mardi 19 novembre. Il est 11h, enfin 10h58 exactement. Café de bienvenue. On va attendre avant de se brûler. Je ne vous ai pas repris hier après notre balade. C'était mon premier jour de sortie depuis mercredi, donc je peux vous dire que j'étais fatiguée quand je suis rentrée. Et je n'ai pas profité à fond de notre virée, parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais encore un peu mal au dos. Et puis, je vais vous faire un petit retour rapide sur la cure. Elle est efficace. À mi-mo, elle est efficace. Il a fallu rentrer. Donc, bref. À refaire parce que j'ai pas profité de ma sortie. Je n'ai même pas pu aller chez Noz parce que je suis restée dans la voiture et puis Chérie n'a pas trouvé ses croissants. Par contre, on est allé manger chez Flore. Donc, c'était très bon. Moi, ce que j'ai pris, je vous ai filmé une petite vidéo, je vous la mettrai. Ce que j'ai pris, c'est une salade Flore. Il y avait de l'avocat, du saumon fumé, mais je crois que je vous l'ai dit ça. Bon, c'est pas grave, je couperai au montage. Il y avait donc de la salade, normal, du saumon fumé, de l'avocat et un beignet de chèvre chaud. C'était très très bon ça. Le reste est une salade quoi, hein. Pas de quoi s'extasier plus longtemps que ça. Chéri, lui, comme il s'était mangé une pizza la veille, il n'a pas pris de pizza bien évidemment, il s'est pris un teriyaki de bœuf, en fait c'était du bœuf émincé avec une sauce teriyaki, là les sauces soja, enfin chinoise, avec des frites. C'était très bon, on s'est bien régalé. Et du coup, quand on est rentré, moi je me suis mis sur le canapé, j'ai dormi. Ça me fout en l'air les médicaments. Je reconnais que, alors je sais pas si c'est les antibiotiques ou pas antibiotiques, anti-inflammatoires ou les antidouleurs, mais je dormirai à longueur de journée. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien d'être sorti un peu. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle, même deux, même trois. J'ai trois bonnes nouvelles pour vous concernant les compléments alimentaires de chez Bears with Benefits. Vous savez que ça, c'est des compléments que je prends depuis maintenant presque un an, peut-être même plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enfin donné des noms français à leur cure. Alors ça, c'est un petit bonheur.
Parce que moi qui ai des problèmes avec l'accent anglais, je dois dire que là, au moins, à part le nom qui ne change pas, hein, mais tous les noms vont changer. Alors, j'ai donc, je vous ai pris l'ancien nom, donc c'était Super Snooze Sleep. C'est celui qu'on prend pour l'endormissement, qui devient donc aujourd'hui l'attrape rêve sommeil. C'est joli comme nom. Au moins, je trouve que c'est plus harmonieux et plus de circonstances. Ensuite, moi, celui que je prenais, c'était le Born This Way Youth, vitamine, qui devient aujourd'hui le anti-âge. Élasticité et fermeté de la peau. Ensuite, celui que je prenais en changeant à chaque fois, c'était le Amazing Hair et le Nail and Hair, celui qui faisait ongles et cheveux. Et maintenant, le Amazing Hair devient crinière de feu, cheveux sublimes. Je trouve que c'est original les noms. Et là, cette fois-ci, j'ai pris le Faites peau neuve avec de la biotine, du zinc et de l'acide hyaluronique qui était avant. Je l'ai pas la boîte parce que je l'ai terminée, hein, bien sûr. C'est You Glow Girl Skin. Et maintenant, ça devient peau neuve. C'est vraiment super, super d'avoir pensé à ça. Et toujours pareil, hein. Vous savez que tout était écrit en allemand dessus, il fallait tirer simplement à la petite étiquette. Maintenant, il n'y a plus besoin, vous avez tout en français. Là, c'est je prends de l'attrape-rêve, par exemple, hein, qui est devenue l'attrape-rêve. La mélatonine contribue à réduire le temps nécessaire à l'endormissement, l'effet bénéfique, etc., etc. Donc maintenant, on sait, vous voyez, tout est écrit ici en français. Focus. Voilà. Vous voyez que c'est vegan, c'est un pilulier qui est 100% PET recyclé. Ça, c'est un gummies par jour, 30 minutes avant d'aller dormir. Et là, même la saveur est écrite, vous voyez, saveur fruit de la passion. Focus, merci. Voilà. Comme ça, c'est vraiment bien parce que vous avez toutes les indications qui sont fournies en français. Alors, attendez, je pense, si je prends celui en anglais, ça ne va pas le faire. Ici, on vous dit que c'est sans sucre, que le pilulier est pareil, et 4 gummies par jour, saveur cerise. Les cheveux sublimes, c'est un gummies par jour et saveur fruits des bois, vous voyez ici. Et le dernier, peau neuve, donc toujours sans sucre, et ses saveurs mangue. Il y en a 60 et c'est 4 gummies par jour. Voilà. Donc ce que je vais faire, mais c'est, j'ai pas pris les miens, donc je vais en profiter. Je vais pouvoir les prendre maintenant parce que je n'en avais plus. Donc là, ça c'est la première bonne nouvelle, que tout est écrit en français maintenant. La deuxième bonne nouvelle, c'est que avec mon code qui est Christy YT40, vous bénéficiez de 40% de réduction sur l'achat de vos boîtes de compléments alimentaires et ce jusqu'au 8 décembre. Donc profitez-en, c'est le moment ou jamais. Et qui plus est, troisième bonne nouvelle, à partir de 49 euros d'achat, on vous offrira une brosse à cheveux et à partir de 69 euros d'achat, vous aurez la brosse plus les chaussettes. Ça, c'est super aussi, je dois dire. Alors, une chose que j'ai appris, je vous en ai pas parlé parce que ben, je viens de l'apprendre, c'est que vous avez une garantie de remboursement sous. Je crois que c'est 100 jours. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vous confirmerai tout ça à l'écran, mais je crois que c'est si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser sous 100 jours. Donc, ça ne coûte rien d'essayer. Et une énième bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un tirage au sort de 3 personnes sur toutes les boîtes qui ont été achetées. Et ces 3 euros gagnants
se verront remboursés de la totalité de leur achat. Donc c'est le moment aussi de participer à ce concours. D'ailleurs, en parlant de concours, j'en ai un bientôt sur ma chaîne, hein. Donc je remercie. Je vous mettrai une capture d'écran comme je vous mets d'habitude. Comme ça, vous aurez tout pour des explications. Vous verrez tout ce qu'on peut faire. Il y a même une possibilité. Vous avez en 2 minutes un questionnaire à répondre et on vous donnera les gummies qui pourraient vous correspondre pour tel type de problème de peau, tel type de problème de cheveux, tel type d'endormissement, etc., etc. Donc, allez-y, ça vaut peut-être le coup d'essayer de vous faire votre questionnaire et comme ça, vous aurez vraiment les gummies adaptées à vos difficultés, problèmes, enfin bref. Voilà ce qu'il y en est. Je finis mon café avant qu'il soit froid. Donc, je remercie toujours Bears with Benefits de me faire confiance et de me fournir à chaque fois les boîtes pour que je puisse vous en parler. Je ne suis pas rémunérée, bien évidemment. Les liens ne sont absolument pas affiliés. C'est juste parce que je vous partage quelque chose que je connais. Parce que avant d'être en partenariat avec eux, moi, je les achetais en tant que cliente déjà. Parce que c'était ma fille qui me les avait conseillés. Enfin bon, si vous me suivez depuis un moment, vous êtes au courant de l'historique. Donc voilà ce qu'il en est pour Bears with Benefit. Je voulais vous montrer ce que je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais regardez le beau bouquet de fleurs qui est sur ma table. Chéri a eu pitié de moi comme j'étais souffrante, qu'on aurait dit une mémé qui m'a offert des belles roses rouges et jaunes. Elles sont magnifiques. Elles tiennent bien. Hein. Ça fait depuis samedi, je crois. C'est ça, hein, samedi? Ouais. Depuis samedi. Regardez, elles sont belles. Hein. Vraiment, je suis contente. Par contre, ce que je voudrais faire, moi, aujourd'hui, c'est retirer toute ma déco d'automne, vous voyez, qui est là sur mon petit buffet, qui est sur le rebord de ma cheminée, qui est un petit peu partout. Je voudrais l'enlever, là, parce que j'en ai un petit peu marre, parce que, bon, je vais pas mettre tout de suite la déco de Noël. J'attends toujours le premier week-end de décembre pour le faire. J'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient commencé à mettre leur sapin. Je ne suis pas encore dans ce mood. Je peux dire, oh, j'ai hâte de le faire. Non, non, je ne suis pas encore dans ce mood. Mais je voudrais quand même enlever. Eh, c'est joli tout ça, les couleurs sont sympas. Mais là, ça y est, j'en ai un petit peu marre. Je crois que je vais les enlever là. Et puis, à faire place nette, un bon coup de ménage. Et puis comme ça, dans 15 jours maintenant, même pas. Dans 11 jours, je pourrais faire ma déco de Noël. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais aller faire ma marche. Il est 11h, j'ai toujours pas été marcher. J'ai mis mon beau pull Chine ou Timou? Non, Timou. Pardon. Timou. Et comme ça, celui-là, moi j'ai toujours froid aux oreilles quand je vais marcher. Celui-là, au moins, je pourrais le fermer. Parce que là, il fait pas. Et hop, regardez ça. Un bel œuf de Pâques. C'est pas beau ça? Par contre, ça, bah ouais, on va éviter, hein, un petit lutin avec. Je vais essayer de le rentrer. Ouais, c'est mieux quand même, hein. Bon, je vais aller faire ma marche. J'essaie de faire. Je ne sais pas si je pourrais faire plus de 30 minutes, mais au moins ce qui sera fait sera fait. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Allez, avant de partir, on va prendre nos petits nounours. 3, 4. On revient de chez Lidl, on est allé faire un plein de courses. Donc je vous montre, hein. J'ai tourné la vidéo, donc vous verrez une vidéo retour de course chez Lidl. On s'est fait plaisir. Voilà, c'est ce que je mettrai dans le titre. Parce que franchement, on s'est fait plaisir. Je me suis même acheté une belle orchidée. Regardez la couleur, si elle est belle. Je vais souffler là, parce que je vais descendre au sous-sol. Pour aller me chercher un cache-pot justement pour mon orchidée. Et puis regardez, j'ai pris également des jacinthes. J'adore les jacinthes, moi. Je trouve que ça sent super bon. Bon, ben on va ranger tout ce petit bazar. Allez, on range tout ça. Les surgelés, eux, ont déjà été rangés. Hein. Mais là, il faut que je me mette trois.
Attends, je vais reculer. Pas idée d'être aussi grand aussi. Ah bah oui. Voilà, on voulait goûter avec vous ce qu'on a trouvé chez Lidl. Lidl, le paradis bleu. C'est de la goyave, du citron vert, de l'eau de coco et de la spiruline. Rien que la spiruline déjà. C'est quoi de la spiruline? Bah justement, je sais pas. Quand c'est pancheté. Est-ce que c'est un bouchon à la mort-moi? Oui. C'est ça, c'est encore un bouchon. Oui. Alors, bon. On va mettre des glaçons, là. Oui, parce que c'est pas très très frais. Hein. Quoique c'était dans le rayon frais, tu vois. Moi, pas trop, j'aime pas quand c'est froid, moi. Non, non, ça va aller, moi. Ah bon? Non, non. Je vais chercher des glaçons. Allez, on trinque. Bon ben, rendez-vous au bloc des urgences, hein. Allez. Ah, ça sent ça bon. Ça sent bon, ça sent le fruit. Waouh. C'est sucré, hein. Amer, ouais. Amer, acide, je sais pas quoi. C'est acide et ça tape les zygomatiques. Ah, ici, ça coince, là. Oui, oui. Je trouve pas que ce soit sucré, moi. Tu sais, sucré. Non, pas tant que ça. Il y a du sucre. Oui, il y a du sucre. Mais on ne peut pas dire que c'est très sucré. Ouais. Tiens. Il y a 9 grammes de sucre. En buvant vite. Oh. Voilà. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le frigo plein? Ah, il était vide, hein. Du coup, mettre un bouchon, j'ose pas la coucher la bouteille. Si, si, tu peux. T'as rien à craindre. T'es sûr? Bah, écoute, là-haut. Tu sais que c'est de la pina colada, hein, là-haut. Bah, je sais, c'est toi qui l'as acheté, c'est pas moi. Hein. Elle est bonne, hein. C'est pas moi qui ai acheté ça. Hein. Bon, je vais peut-être sortir mon orchidée. Bon, puis ça, il va falloir que je vois. Alors, maintenant, on va se faire. Un gingerbread latte. Voilà. On a tout fait. On a tout essayé, hein. Vraiment. Allez, on va essayer ça. Eh bien, nous revoilà. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Alors, j'ai fait le gingerbread latte. Attends, je vais en mettre un petit peu de cannelle, moi. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer parce que sinon, ça va le renverser. Mais sinon, il y a de la cannelle. Mais sinon, il y a de la cannelle dedans. Ça sent très bon. Ça va être chaud là par contre. Feintez. Pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Mais c'est bon moi je trouve, non? Bon, à part qu'il n'y a pas de sucre. C'est bon, il n'y a pas de sucre. T'en veux toi? Non. Oh, quelle horreur. Voilà. C'est bizarre qu'ils n'aient pas mis de sucre là-dedans. Quand même, il en faut un minimum de sucre. Ouais, un minimum, ouais. On pourra en faire que 8. Ah, pas plus. Non, pas plus. Oh, là, de la misère. Bon, moi, je vais m'occuper de mon orchidée. Regardez, elle est belle, hein. Elle est belle. Je vous la montre de plus près. Elle est très jolie. Et puis elle a fait plein de bébés en plus. Ouais, elle a plein de bébés sur la hauteur, là, regardez. Là et là. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli d'eau. Et juste avec un peu de sucre, hein, c'est bon. C'est meilleur, vous voyez. Ce que je fais, et ça, faut le faire, bon, l'été, il faut le faire plus souvent, mais sinon, l'hiver, une fois la semaine suffit. Comme ça, la plante se charge de toute l'eau dont elle a besoin. Hop là. Il faut que ses racines... Vous voyez, tout à l'heure elles étaient toutes blanches comme ça, et le fait de les avoir mis dans l'eau, elles redeviennent vertes comme des haricots verts. Quand vous voyez que vos racines ici, elles sont plus vertes, faut les baigner direct, vous voyez. Ici c'était tout blanc quand je l'ai acheté. Donc, vider l'eau. Une fois qu'elle a pris son bain, faut pas laisser d'eau du tout dans le pot. Et voilà. C'est fait.
Là, maintenant, je l'arroserai que la semaine prochaine, parce qu'il ne fait pas une chaleur. Ou si je vois que les racines ici redeviennent blanches, celles qui sont dans le fond. Là. Ça, c'est l'avertissement qui vous dit que l'orchidée a soif. Bon, allez, on va ranger un peu tout ce bazar qu'il y a sur l'îlot. Puis on va finir notre café, non, nos gingerbread. Ouais, ça, oh non, ça fait mal aux yeux. Ça éclaire de fou, ça. Vas-y, éclaire sans m'éclairer moi, juste pour qu'on voit. Je ne sais pas comment on fait. Bah, tu l'as allumé il y a deux. Voilà. Ça éclaire bien, on va pouvoir mettre la clé là. Ouais. Allez, je vais ranger tout ce bazar. Bon, mercredi 20 novembre, café de bienvenue. Ce matin, je suis allée mettre en ligne la vidéo pour ce soir qui est le haul Shein où je vous présente mes derniers articles reçus, dont le pantalon, vous savez, avec une bavette et le gilet, enfin c'est un gilet qui s'enfile par la tête un peu comme un pull si vous voulez, qui est en biais également, pépite. Donc ce soir à 18h, vous pourrez aller la voir, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez hâte de voir ma sélection. Donc ce soir à 18h. Hier, j'ai monté ma vidéo également du retour de course de Lidl. Comme ça, je suis avancée. J'ai ma vidéo donc qui sera prête pour mercredi prochain. Pas d'affolure. Là, il est 10h37. Ouais, 10h37, je vais aller faire ma marche. Bah, avant, je voulais ouvrir ce vlog. J'ai déjà préparé ma caisse qui est ici. Parce que je vais enlever ma déco là d'automne, j'en ai marre. Je vais faire la déco d'automne, je vais faire un bon coup de ménage derrière. Et je laisserai comme ça sans déco quoi. Et puis après, bah, dans 10 jours, on passera à la déco de Noël. Ça passe trop vite. Bon, je vais pas me faire trop longue, je vais aller faire ma marche et puis après je me mets au rangement. Allez, à tout à l'heure. Alors, on revient de notre marche et mes lunettes sont noires de chez noir. Et ouais, mes cheveux sont courts de chez court. Allez, là, on en a profité d'être allé chez le coiffeur à côté de la maison. Et là, il t'a vraiment, vraiment pris aux petits oignons. Hein. Ah ouais, vraiment. Combien de temps, hein, Gami? Oh, 20 bonnes minutes. 20 minutes, alors que quand la coiffeuse vient ici... C'est 10 minutes. C'est 10 minutes, c'est fait, quoi. Ah ouais. Mais là, il a pris son temps, il a pris plusieurs sabots à sa tondeuse. Ah oui, vraiment. Bon, enfin bref, on a quand même fait nos... Il fait 6 degrés, hein. Non, moins 6. Non. Bah, moins 6,7. Ah oui, pas possible. C'est possible, ça? Ouais. Qu'il fasse moins 6,7? Pas bizarre. Il fait frais, mais pas moins 6. Non. Il déconne notre truc là. Ah ouais. Moins 6,6, pas normal. Oh, j'ai froid aux oreilles. Est-ce qu'on se prend un petit café pour se réchauffer? Ouais. Ouais, hein. Bon, allez, on va se faire un petit café. C'est bizarre quand même, moins 6. Moins 6, moi aussi, hein. Ça me paraît bizarre, hein. Je vais regarder sur le téléphone. Parce que moi, c'est peu quand même. Alors, il nous dit quoi? 6 degrés. Ouais. Ouais, je préfère. Ouais. 6 degrés. Et 8 maxi. Ouais, 6 degrés. Je préfère. Pourquoi il a mis un moins devant alors? Je sais pas, depuis ce matin. Ah ouais? Lui là? Bon, allez, on va se prendre notre café. Et puis après, rangement des décos. Bon, ben, tout est parti. Qu'elle descende tout ça. Et voilà. Et les coussins qui sont là. Tout ça, ça va descendre. Bon, allez. Quelle heure il est? Oh, il est 12h05.
Midi 5, on va pouvoir manger. Alors, pour ce midi, c'est donc du saumon grillé à l'air fryer avec une sauce soja sucrée, avec des petits oignons frits, des brocolis, et chéri, lui, il veut pas de brocolis, donc il s'est fait du riz nature. Bon appétit! Merci! On revient de... d'avoir été faire un tour, en fait, on voulait voir pour une chaise dactylo pour moi, parce que là, quand je fais mes montages dans mon bureau, j'ai une chaise classique, quoi, en bois, pas de chaise de bureau, je veux dire. Et donc, j'ai mal au dos, donc on voulait aller voir si on trouvait. Alors, j'en étais allée chez BM, il y en avait une, mais elle n'était pas déballée, elle était dans le carton. Moi, je veux l'essayer avant, donc pas pris. Et puis après, on est allé chez Maison du Monde, j'en ai trouvé une. Alors, je me suis assise dedans, un petit bonheur. Oui, je vais vous la montrer, je l'ai prise en photo. Et avec le dos qui est bien incurvé comme ça, et là, ça me maintient bien le bas du dos. 300 euros, j'ai dit bon, ça va. Maintenant, je sais que c'est ce modèle-là qu'il me faut. Je me prépare un gingerbread latte là. Je vais faire ça. Donc je vais regarder, après on voulait aller à Ikea, mais ça faisait trop loin, on s'est dit non, on rentre, pas envie. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé chez B&M. J'ai décidé que cette année, mon sapin, je le ferai rouge. Bon, je mettrai de la déco autre couleur à la maison, mais le sapin, je veux une déco uniquement rouge. Donc, j'ai trouvé des petites décos comme ça. Alors, les boules, je ne sais pas si j'en aurai assez ou pas. J'y retournerai éventuellement quand je ferai mon sapin. Mais j'ai trouvé des grosses sucettes comme ça. Regardez si elles sont belles. Les trois. Trois sucettes à suspendre. Il n'y a pas le prix. Je vous dirai ça après. Mais bon, elles sont jolies. Elles sont rouges au moins. Après, j'ai vu des candy canes pareil rouges. Là, il y en a 6. Et regardez ce que j'ai trouvé. Et pas beau, bébé, enfin pas bébé biscuit. C'est comment? Petit bonhomme biscuit, pain d'épices. Ça, c'est 5,99€. Il est trop beau. Il m'a appelé quand je suis passée devant lui. Il m'a dit, prends-moi. Là, j'ai pris. Voilà. Ça faisait de la peine. Ces chaussons en moumoute. Étaient trop beaux. Et puis, on regardait également pour faire notre dégustation. On a juste trouvé des... pas grand-chose, hein. Des chips street food saveur bœuf thaï. Donc, ça fera ça en plus. Ah, on a racheté du parfum pour la voiture. On va le remettre dans la voiture. Ça, c'est bubblegum. Et rose. Et c'est parfum bubblegum. On va le remettre dans la voiture. Chéri s'est repris du riz basmati micro-ondable, ce qu'il en a pris ce midi, donc j'aime bien avoir un d'avance. Et puis on a juste pris des sachets de chips à l'huile, c'est tout ce qu'on a pris. Ah non, pas tout, une pile plate. C'est pourquoi ta pile plate au fait? C'est pour mon appareil de mesure. D'accord, voilà. Et c'est tout. Alors, combien c'était les trucs bonhomme en pain d'épices? 5,99€. Les chips street bœuf taille 1,48€. Les 3 boules lollipop, les sucettes 3,99€. Et les 3 boules sucre d'orge 3,49€. Après, voilà, c'est tout. Truc à suspendre pour la voiture 3,99€. Bon, voilà. Bon, je vais finir mon... ça, je vais le mettre là. Il va pas descendre, il va rester là. La déco bientôt. Je finis mon latte là. Et puis on se reprend plus tard. Il a un flocon de neige sur la tête. Il a un flocon
image, mon bébé. Tiens, mon Melouchia. Voilà. On va pas marcher longtemps, hein. Non. Parce que on est quand même pas des tarés de la marche. C'est vraiment parce que c'était histoire de marquer le coup. Parce qu'il neige. Puis j'ai pas envie de flinguer mon téléphone non plus. Bah non. Bah non, hein. Tu peux voir comment t'es tout blanc et ton. Ah ouais, on est quand même. Les cirés sont bien mouillés, hein. Comme ça, tu vas voir si ta veste de car elle est étanche. Bah ouais, là. Ouais. Là, ça passe pas. Bon, allez, on vous laisse. On vient de rentrer. Regardez, là c'est, ça fait pas semblant. Là, c'est vraiment des gros flocons de neige qui tombent. On n'a pas marché longtemps. On a marché 20 minutes. 20 minutes. Parce qu'on s'est dit, on va pas risquer la chute. Ça sert à rien. Et puis moi, il faut que j'aille me laver la tête. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on aille marcher avant, parce que la tête mouillée, ça le fait pas. Donc là, je vais aller me laver la tête. Et puis, ça fait du bien de marcher, hein. Mais alors, juste on partait, quoi. Et je vois Minoucha qui est à la fenêtre, alors qu'on ne l'a pas vu hier de la journée. Du coup, on lui a donné ses croquettes et après, on est parti marcher. Mais là, la vue, ce qui tombe, j'espère qu'il n'est pas dehors, le Minouche. Enfin, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller me prendre une bonne douche, déjà ça va me faire du bien. Et puis on va laver cette tête. Je me sens pas encore d'attaque pour faire mes racines. Donc ça attendra que ça aille mieux. J'ai plus mal au dos. Donc je veux pas faire de bêtises au risque de me refaire mal. Bon allez, une bonne douche bien chaude. Alors on vous reprend dans la voiture. On est des fous furieux. Mais j'ai pas trouvé de chaises de bureau intéressantes sur Amazon, et puis moi je veux les essayer parce que avec mes lumbagos là et puis mon dos, je préfère essayer. Hier, celle que j'ai essayée à Maison du Monde, elle était parfaite, trop chère pour mon utilité, mais c'est sûr, je travaillerai 8 heures par jour à mon bureau, je mettrai ce prix là. Mais là, 300 euros, elle était à 300 euros en solde, elle était à près de 400 euros, donc j'ai dit non. Donc là, on part à Ikea. Je suis engoncée, moi, entre mon pull col roulé, ma surchemise. Donc là, on part à Ikea. Comme ça, au moins, je sais qu'à Ikea, elles sont en expo, les chaises. Je pourrais les essayer. Et puis, on va en profiter, comme il est midi, pour aller manger sur place. Enfin, il est midi. Presque une heure. Et pratiquement une heure. Mais au moins, on sera sur place. Et parce que là, vous avez vu, il neige pas mal. Mais au moins par terre, c'est pas verglacé. Alors que c'est pas dit que demain ce soit la même limonade. Demain, avec le froid de la nuit, il risque de verglacer. Donc demain, ça ne verra pas, hein, je pense. Hein. Je suis serrée, moi, là-dedans. Donc on va rouler doucement. Chez lui, il a l'habitude. Moi, je vous avoue, hein, je ne conduirai pas de ce temps-là. Mais bon, lui, il a tellement conduit, il a quelques heures de vol, il n'a pas peur. Il est prudent. Moi, il est prudent. La prudence est mise, hein, maximum, parce que là il neige énormément. Je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Il faut qu'elle monte en température, là, voilà, pour le moment, elle est froide. Hein. Ça chauffe un peu. Nous, on a une grosse voiture, mais je ne suis pas plus fière que ça, moi. Sur la voie de droite, on est pas pressé, Ikea va pas s'envoler, et puis voilà. Bon, ben, j'espère trouver ma chaise, parce que là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est jeudi, et je n'ai absolument rien monté de la vidéo du weekly de dimanche. Donc, oh là, la vitesse, bref, c'est du délire. Comme ça, si je peux avoir ma petite chaise, je pourrais bien avancer cet après-midi, parce que cette après-midi, on va pas sortir. Je crois pas. On va chez Ikea et on rentre. Et on ne bouge pas une oreille. On arrive à la maison, je ne bouge pas une oreille. Et ça neige beaucoup là. Là, ça, on voit pas à 300 mètres. Ah là, hein. Non, c'est terrible. Hein. Là, c'est vraiment impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu neige. C'est vrai, il y a longtemps, ça fait plus d'un an.
me rappelle plus. Je regarderai la dernière fois parce que moi en général je filme toujours quand il neige, je filme un peu pour m'en rappeler justement. Mais je ne me rappelle plus, là, je me rappelle pas. Bref, on va aller chez Ikea tranquillement, je vais te faire trouver ma chaise et on va manger. Moi je vais peut-être manger mes petites boulettes végétariennes. Végétariennes. Voilà, il fait 1 degré. C'est un là dehors ? Oui. Ah ouais, donc quand même, il ne faudrait pas descendre en dessous parce que après c'est du verglas. On va pas traîner. Hein. Ça lâche en cours. Ah, ça va. Dépassement interdit pour les poids lourds. Ça lâche en cours. Bon, allez, on vous laisse et je vous reprendrai arriver à la maison. Peut-être je vous filmerai chez Ikea. Enfin, aux assiettes, hein, pas dans le magasin. Non, parce que déjà, il y a du monde, hein, chez Ikea, on connaît, hein, toujours plein de monde. Bon, là, il n'y aura pas les enfants, parce qu'on est jeudi. Ouais. Et puis, bon, peut-être qu'on vous filmera, on verra. Ce sera selon l'inspi. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes rentrés, il est 3 heures. Finalement, on a mis 1h30 pour tout faire. Bon, on a mangé. Oui. Boulettes pour toi et chips pour moi. Arrivé là, j'ai dit oh non, ça me fait trop envie. Et on a pris 2 gâteaux. Un éclair au chocolat. Voilà, et moi j'ai pris une espèce de dôme, pâte d'amande avec une crème légère. Puis une petite pâte en dessous, c'était gentil. Quoi. Et bon, je suis déçue parce que le fauteuil que je voulais en noir, il était en rupture de stock. Donc du coup, bah, je l'ai pris en beige parce que j'ai un peu peur que le beige vieillisse mal, moi. Quand on voit dans le magasin, dans l'état qu'il était. Ouais, bon. Enfin, non, après, tout le monde y touche aussi. Hein. Ouais. Bon, enfin, bref. J'ai ma chaise, il n'y a plus qu'à la monter. Et après, je m'occupe de ce montage de vlog. Et il neige toujours. Oui. Bon, allez, café. Une petite repose. Après, on monte la. Enfin, tu montes la chaise, t'as pas besoin de moi. Bah, un petit peu mal au dos, moi. Juste que tu lui regardes. Je vais te cracher dans les mains, si tu veux, mais oui. C'est tout, quoi. Allez, je vous laisse, et puis je vous montre ça quand c'est monté. Bon, ben, ça y est. Chérie m'a monté mon fauteuil. Il est assez imposant, hein. Mais au moins, je l'ai essayé, je suis bien. Le seul problème, c'est que, vous voyez, ça passe pas en dessous. Car avec le tapis, ça gêne les roues. Manque pas grand chose. Vous voyez ? Manque pas grand chose pour que ça rentre entièrement en dessous. Donc je disais peut-être mettre des cales à ça là, au pied. Pour pouvoir surélever de peut-être 1 cm le bureau. Pour quand je m'en sers pas, je puisse carrément le rentrer en dessous. Parce que sinon, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, je suis bien assise, là, je suis bien. Franchement. Ah là voilà, bon, je vais me mettre sur le montage. Alors il est 15h34. Allez, au boulot. Là je vais attendre que ça charge et je m'y mets. Et il neige toujours autant. Bon vendredi 22 novembre. Café de bienvenue. Voilà, je suis sombre. Ah, salut chérie. Bonjour. On te voit sous le canapé. Ah oui. Oh, il est en train d'écouter sa musique. Là, je l'ai arrêté 2 minutes histoire de vous dire bonjour et prendre mon petit café. Ce matin, j'ai fait mon gros ménage, comme je vous avais dit, j'ai tout retiré sur mes meubles, etc. Donc j'ai tout nettoyé, tout fait les poussières. J'ai pas lavé par terre parce que avec ce qui est tombé là de neige, c'est tout dégueulasse. Donc j'attends vraiment. Mais aujourd'hui on sort plus. Non. Enfin on sort plus. Chérie est sortie ce matin, je vous explique. Hier soir, je regarde la télé et d'un seul coup comme ça, j'ai dit mais on serait pas le 3e vendredi de novembre, c'est pas le jour du Beaujolais. Donc c'était bien hier. C'était hier. C'était bien hier. Du coup, ce matin, je lui dis, on n'a plus de café, est-ce que tu peux aller en acheter? Alors, il est parti chercher du café pendant que je faisais mon ménage. Et du coup, il est revenu avec une bouteille
de bœuf. Attends, je vais allumer parce que je trouve que c'est hyper, hyper sombre. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je sais pas si c'est mieux. Mais bon, j'ai pas mettre. Je vais pas mettre ma softbox. Je la mettrai vraiment quand je ferai des unboxing pour mettre les articles en valeur. Mais là, je suis vraiment. Oh, c'est pas possible. Bref. Oui, donc il est parti et me ramène du Beaujolais nouveau. Il prend du bœuf parce que le change du bœuf, on a rarement été déçu. En général, c'est le Beaujolais, c'est pas un grand vin. Hein. Et au cas où, il en a pris un deuxième. Beaujolais, village nouveau, Piron. Je sais pas quoi. J'ai dit, attends, hé, on n'est que deux. Il va être propre, moi je vous le dis. Non, celui-là, on va pas le boire. On va déjà commencer par le Dubof. Et déjà, on ne boira pas une bouteille à nous deux, c'est pas possible. J'aime pas cette luminosité-là, ça me dérange. Alors, on va y faire prendre la lumière. Ah, ouais, il fallait chérir en arrière-plan. Voilà, c'est ça. Il fallait que tu sois en arrière-plan. Là, ça y est, la luminosité est mieux. Bref. Je suis ta lumière. Ah, tu es ma lumière, c'est ça, ouais. Hier, je ne vous ai pas repris, comme je vous ai dit, je suis allée faire mon montage pour cette vidéo, pour le vlog, là. Donc, j'ai monté pratiquement tout. Il doit manquer un ou deux rushs d'hier, mais pratiquement tout. Si, il me manque à monter, c'est la chaise. Vous savez, la chaise de bureau. Chéri me l'a montée, etc. Et bah, comme j'étais en train de faire du truc, je l'ai filmé. Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il que j'en suis à 57 minutes, je crois. 55 ou 57 minutes à hier. Alors j'ai dit on va se calmer aujourd'hui, de toute façon aujourd'hui on sortira pas parce que vu l'état des routes, non déjà moi je vais pas marcher, je vais pas prendre de risques. Donc aujourd'hui on sortira pas, il se passera pas grand chose aujourd'hui, à part qu'on se saoule la gueule. Non je plaisante, non je plaisante. Mais j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis une semaine, hein. D'habitude on se fait au moins notre petit apéro le week-end, là rien comme j'étais sous le traitement. Ça va être joli. Donc on goûtera au moins le Dubof. Je vous dirai ce qu'il en est. Ben non, je vous le dirai pas parce qu'on va le voir ce soir. Ou alors je vous mettrai une annotation au montage en vous disant s'il était bon ou pas. S'il avait un goût de banane, s'il avait un goût de cerise, s'il avait un goût de je ne sais quoi. Je vous dirai ça au montage, je vous l'écrirai. Bon là, il est 11h43, je pense qu'on va faire à manger. Et ça, c'est pénible. Hein. J'ai les recettes. Non, j'ai même plus de recettes et d'eau fraîche. Non, t'as fait les gnocchis, toi, tout seul. Parce que j'avais une recette de gnocchis. Bon, enfin bref, on va se débrouiller. Il y a des courses, on est allé chez Lidl. Allez. Je mange un petit peu avec parce que moi, vous savez que j'ai rien dans l'estomac là, à part mon café ce matin. Donc, on a ouvert. Enfin, on. On exclut celui qui l'a fait.
Donc un Georges Duboeuf. Moi je trouve qu'il a un goût de banane. Et ouais. Chéri dit non, lui a un goût de... Je le sens plus en fruits rouges. En fruits rouges. Moi je suis pas une puriste. Hein. J'aime pas trop le vin rouge, je suis plutôt vin blanc que vin rouge. Donc toi tu dis vin, fruits rouges. Moi j'ai un sentiment un peu pas plus la tête. De vin rouge. Me voilà. Tu es en train de préparer mon entrée. Oui. De concombre. Et puis je dis à chérie, allez, on va quand même goûter au moins le vin rouge, au moins à l'apéro. Oui. Il me restait deux pauvres tranches de salami. Mmh. Et deux tranches de jambon aux herbes, je sais pas quoi là. Jambon de poulet. Jambon de poulet. J'ai dit, il faut que je mange quelque chose avec. Bah oui. Donc c'est bon. Je trouve bon. Le du bœuf, on a vraiment rarement été déçus. Ouais, hein. Non, il est bon. Il ne m'attaque pas comme certains. Il n'y a pas d'acidité. Il y a. Je sais pas. Oui, moi je trouve qu'il est bon. Je pense que c'est au niveau de la manipulation que ça. Il y a du bon. Il y a du bon, il y a du bœuf. Elle est bonne. Alors, je vous retrouve les amis, il est 18h30, donc cet après-midi, on n'a rien fait, de toute façon, je vous avais dit qu'on ne bougerait pas aujourd'hui. Par contre, tu peux parler de ce qu'on a regardé. Oui. Ce que j'ai fait, moi, après déjeuner, c'est une petite sieste, ça m'a fait du bien. Et après, on a regardé une émission sur Netflix, c'est un documentaire, ça s'appelle Nos Océans, c'est ça ? C'est ça. Nos Océans. C'est un documentaire qui est produit par Monsieur et Madame Obama. Et c'est vraiment très intéressant. On a regardé, je ne sais pas, au moins quatre épisodes au moins. Mais c'est très beau, la vie sous-marine, les poissons, les mammifères, vraiment très très intéressant. Là il est 18h30, donc je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog. Et donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est on va faire notre soirée Beaujolais. Il y en a un qui rigole là. On va, vous savez que ce midi on l'a goûté, on a pris un petit fond de verre, on va dire, hein, à deux, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui est parti. Donc là on va boire ce soir, on va finir, toujours à boire avec modération. Et ce midi, chérie, il avait acheté de la charcuterie. J'y avais demandé de me prendre également du fromage, mais comme monsieur n'aime pas le fromage, je pensais bien qu'il a zappé, il n'y a pas pensé. C'est vrai. Donc ce sera charcuterie. Donc je vais vous préparer tout ça, enfin je vais nous préparer tout ça. Et ben, nous, on va se quitter là. Alors j'ai pas fait de montage, hein. Je suis toujours restée à mes 57 minutes, mais bon, je rajouterai la journée d'aujourd'hui et j'essaierai de faire, de condenser. Ma batterie flashouille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Les 15 000 abonnés approchent et on va pouvoir procéder au concours. Bon, je vous laisse. Moi, je vais préparer ma charcuterie. Bye bye.